Rémi participe pour la 9e fois ce dimanche 11 juin au Grand Slam diffusé sur France 3. Le champion du jeu de Cyril Ferraud a accepté de répondre aux questions de Télé Loisirs sur son retour dans l'émission. Va-t-il atteindre les sommets d'Arthur et d'Enzo, les grands champions du Grand Slam? Depuis son retour dans le jeu des grilles de France 3 après plusieurs participations à Slam et une dans la version du week-end, Rémi a retenté sa chance le 16 avril dernier. Et depuis, il enchaîne les victoires. L'entrepreneur de 45 ans a accumulé une cagnotte de 37 500 euros en 8 participations. Pour Télé Loisirs, il se confie sur son parcours dans le divertissement dominical de Cyril Ferraud, qui présentera bientôt un nouveau jeu sur France 2, notamment sa préparation et ses moments forts passés sur le plateau. Rémi, champion du Grand Slam, j'étais tétanisé de stress à question pour un champion, j'avais complètement perdu mes moyens, vous cumulez 37 500 euros en 8 participations. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je ne m'y attendais pas vraiment, surtout que j'ai dû affronter des adversaires très sérieux qui avaient cumulé 5 victoires à Slam. Quand on enchaîne ces victoires, il y a un sentiment de fierté. On met aussi du temps à réaliser, après les sessions de tournage, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez déjà participé à Slam et au Grand Slam. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir? Slam est un jeu que j'apprécie parce qu'il est motivant intellectuellement et je suis un fan des jeux de lettres. J'avais aussi cet esprit de revanche. Lors de ma dernière participation au Grand Slam en 2015, j'avais perdu quand on n'était plus que deux. Mon adversaire avait fait un slam qui avait été un peu chanceux parce qu'il y avait différentes possibilités. Sur le coup, j'avais été très déçu de perdre même s'il méritait amplement sa victoire. Je m'étais dit, cette fois il faut que je sois meilleur, il faut que j'arrive à gagner. À quel jeu aviez-vous participé précédemment? À des chiffres et des lettres, Motus et Harry. Ma première expérience a été à question pour un champion mais ça ne s'est pas très bien passé, puisque j'ai été éliminé au premier tour. J'étais tétanisé de stress, j'avais complètement perdu mes moyens. Je me souviens que quand Julien Lepé avait posé la première question, je n'avais pas compris les mots qu'il disait. Rémi, le Grand Slam, j'ai passé les sélections des 12 coups de midi. Vous aviez déjà passé les sélections d'autres jeux télé sans être pris? Le casting des 12 coups de midi il y a une dizaine d'années. J'imagine qu'il cherchait des personnalités plus exubérantes, moi je suis plutôt calme. Je ne pense pas avoir le bon profil mais cela me tenterait d'y participer. Ça a l'air assez marrant. Cyril Ferraud vous surnomme Jésus. Cela vous amuse? Ce n'était pas le premier, avec mon look, j'y ai souvent droit. Après avoir regardé l'émission, ma mère m'a fait remarquer un truc assez drôle. Mon grand-père du côté de ma mère s'appelait Salvador, qu'on peut traduire par sauveur et ma grand-mère, Marie, ça cadre bien avec Jésus. Lors d'une émission, vous avez malencontreusement buzzé alors que vous n'étiez pas censé jouer lors de la première manche, ce qui a provoqué un fou rire sur le plateau. Oh là là! Dans ma tête, j'essayais de jouer en même temps et je répétais le geste comme il y avait un moment de flottement, parce que les candidats ne trouvaient pas. Je pensais que le buzzer ne marchait pas et ça a créé une petite séquence amusante. Mais sur le moment j'étais mal à l'aise parce que j'ai eu peur de déranger mes futurs adversaires.
Vous vous étiez entraîné avant votre retour dans le Grand Slam? Je me suis un peu entraîné en regardant les émissions alors que je n'étais pas forcément un téléspectateur assidu. J'ai fait aussi des grilles de mots croisés. Mon objectif était vraiment de faire un meilleur parcours.